ceci. Pas si on voit beaucoup. Je suis aujourd'hui Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Le deuxième Hyrule Warriors. Celui-ci se passe un. Hop là. C'était étonnant, j'imagine. Yep. Se passant dans l'univers de Breath of the Wild. Non. Alors, hop. Tac. Je me baisse un peu le son. Et alors, lui, je l'ai pas du tout fait. Hop. J'avais fait un tout petit peu la démo qui était sortie. J'avais fait le premier sur Wii U. Mais celui-là, j'ai pas lancé. Alors, donnez sauvegarde à la version de démo. Voulez-vous importer votre sauvegarde? Bon, non, on va reprendre de zéro, hein. Normal, français, français, français. Donc, ouais, Hyrule Warriors, c'est le. C'est du Musou, c'est du Dynasty Warriors. Warriors. Mais du coup, voilà, sauf Zelda. Pouvoir faire ouais, un petit air grand max. Pour revoir vite le début. Passe 100 ans avant la boîte de l'oreille, c'est ça. Oui, c'est ça. On voit en fait la chute de l'Empire de l'île.
fiers, les vaillants soldats d'Hyrule. Le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque! Oh!
la même boss. Non, c'est pas. Donc. Ah, ok.
C'est exactement comme le démon en fait. Une mission, hop. Je m'en occupe. Ok. Bah du coup. Non. Hop. Instruction. Et toi, tu vas ici. On peut changer d'arme. Voir.
lui. Ah, peut-être que je vais aller là et lui passer. Une noix de Korogu, mais quand on sait ce que c'est ces noix, ça n'a pas trop envie de les remplacer en fait. Ah bah j'ai tué deux apparemment. Ah non, ils sont là. Arme 2. Du coup, il y en a. Un mystérieux gardien. Mystérieuse tour. Mystérieuse tablette. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé ! Attends-nous ! Soldat ! Vous avez fait du très bon travail. Oh ! Ah, te voilà. Tu es saine et sauve, les déesses soient louées. Oui, Votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikha de la part de Kua. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikha. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Prua et Pharas, d'étudier ce gardien, ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande.
Oho. Ça, c'est la super arme bonus quand même. L'épée en bois. Ok, donc on remplit les petites missions. Et les gens sont contents. Donc ça j'ai pas assez, je peux pas faire. Capacité à cuisiner des plats. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Ça j'ai assez. C'est une force nouvelle. Karmac plus 1. Je peux pas. On passe à la deuxième mission. Équipeur. Qu'est-ce que tu le que j'ai. Ok, donc un carré, dans le carré c'est le niveau apparemment. Parade automatique, celui-là, plus les dégâts par les attaques de 2%. Yo. Je parie bien. Ok, les plans c'est les bonus temporaires durant le niveau. On va les économiser. Intrigué par cet étrange gardien, Zelda, accompagnée de Link et d'Impa, se mit en route vers le laboratoire antique où les attendaient Prua et Pharas. Mais... Je peux contrôler le petit perso. Youhou. On peut le faire sauter, on peut faire activer son petit bonnet, et puis le faire aller à gauche, à droite. R2D2. J'imagine que
Tant que Pharas ne l'aura pas analysé au laboratoire, on n'en saura pas plus. Vous avez raison, Tess. Pourquoi ce gardien vous a-t-il attaqué ? Alarme, alarme. Et maintenant, que voilà des monstres. Et puis une tête bizarre se casse quand même. Et quoi. En arrière. Et je m'en occupe. Thank you.
sous Zelda aussi. Ah bah là aussi. Je pouvais plutôt aller ici. Hop. Regardez-moi!
Attaque forte, activer les effets des modules chez K placé. Fissure pour activer les modules. Pourquoi il revient là? Non, tu vas là, toi.
Ah, shit. Arrêtez-vous! Je trouve beaucoup moins maniable quand même celle-là, hein. Donc qui ou qui va le garder? C'est bon. Je sais pas si on peut faire le... renvoyer le tir.
le petit gardien blanc gentil et le petit gardien noir méchant. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Sa capacité à amplifier la puissance des reliques comme la tablette Shake n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikah, nous avons vu... Il y a plus. Il renferme aussi une quantité d'informations, dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Coucou! Où est Titi? J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Oh, mais c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données était corrompue. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrai peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau... Non. Je dois à tout prix empêcher cela. Afin d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres, tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte? Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair? Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir.
Je crois que c'est à peu près là que j'ai remis la démo en fait. Vous pouvez faire encore 2-3 petites missions de bataille comme celle-là. Et après, il y a toutes les grosses missions. Cela a été verrouillé. Et vu l'heure, on va peut-être aussi s'arrêter là. Peut-être juste activer certains trucs. Hop. Quelle réussite! Ah. C'est fantastique! Ok. Du coup, j'ai débloqué une boutique. C'est une force nouvelle! Oh. Ça c'est quoi? À la pêche, à visite de marchand ambulant. Oh. C'était quoi? J'ai passé, nettoyage de transmission. Hop. Ça sonne comme nous. J'ai l'impression d'être plus forte. Ça. Ah. Bonjour, donc boutique. Bien joué. Ok, donc ça, c'est fusion et vente d'armes. Ça c'est achat de champignons, donc ça je pense c'est pour la vie. Et ça c'est apparemment pour la cuisine. Et les autres, j'ai pas accès. Ah, ici y'a pas de... Eh bah ici. Ça c'est une bataille. Ça. On verra plus tard. Il est minuit, bientôt minuit et demi. Donc on va s'arrêter là. Hop. Donc c'était le début, hop là, Hyrule Warriors, l'ère du fléau. En gros on a fait l'équivalent de la démo. Voilà, bon après c'est du mousseau classique, mais de l'univers de Zelda. Donc de la baston, À voir la suite. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Ciao.